La décision de l'administration américaine de vendre de nouvelles armes à l'occupation sioniste en pleine opération de nettoyage ethnique, en dépit des appels de la communauté internationale de cesser le feu, de cesser le massacre, attise les craintes sur cette coopération américaine qui fait d'elle le principal complice. Et sur la suite de ce génocide, pendant longtemps, une coopération qui consolide la poursuite de l'effusion de sang à Gaza et démontre une complicité avérée dans cette guerre sanglante. Cette guerre génocidaire menée en Cisjordanie avec Al-Quds inclus a coûté la vie à un nombre record de Palestiniens en 2023. Les arrestations arbitraires sans jugement ont aussi atteint des chiffres records. Une guerre générale contre tous les Palestiniens dans les territoires occupés, soit en Cisjordanie ou à Gaza assiégé. Mais dans ce moment, et particulièrement dans le territoire de Gaza, le territoire de Gaza.